Zamim, bon Dieu béni, on frère, bon Dieu béni, on moins content, moins réjoui jeudi, et moins en action de grâce à Seigneur. Parce que c'est lui-même qui bat nos opportunités, ça, qui bat nos privilèges, ça, chaque fois nous rencontrer. Chaque fois nous ensemble pour nous partager la parole de Dieu. Chaque fois nous ensemble pour nous adorer, c'est le Seigneur qui bat nos privilèges, ça, qui bat nos opportunités, ça. Donc je dis à moi là pour m'encourager pour lire la parole, bon Dieu. Moi là pour m'encourager, pour motiver ou pour lire la parole de Dieu. Donc moi invité à lire texte ça ensemble avec moi. Josué chapitre 1 verset 8. Josué chapitre 1 verset 8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué 1er verset 8. Je reprends le verset. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. La parole de Dieu, c'est un outil extrêmement puissant. Et parole, bon Dieu, pas que j'aime expliquer ça. C'est une force, c'est une puissance, c'est bon Dieu même. Et je voulais attirer l'attention pour me dire que le bon Dieu a créé, bon Dieu est créé par la parole. Donc la parole elle-même, c'est une puissance créatrice. C'est une puissance créatrice, la parole. Donc, la parole gagne différents niveaux. La parole gagne différents niveaux. Donc, il n'y a pas que ce livre de la loi, mais c'est le livre de ta bouche, etc. Donc, nous ne sommes pas capables de considérer tout niveau de la parole dans la vidéo. Ça. Mais il y a ce qu'on appelle le logos. Il y a le rhéma. Il y a le logos, il y a le rhéma. Et il y a ce qu'on appelle également la parole écrite, la parole révélée, la parole incarnée. La parole écrite, la parole révélée, la parole incarnée. La parole écrite, c'est la Bible, ce livre. Livre ça qu'on gagne la caille. La parole écrite. Donc, certes, il y a différentes versions là-dedans. Ou capable de Semeur, ou capable de Louis II, ou capable de Scofield, ou capable de Thompson, ou capable de la Bible expliquée, ou capable de la Bible en créole, ou capable de Nicodème, etc. Un paquet de versions qui étaient capables d'exister. C'est la parole écrite. C'est le logos. Mais dans le logos, il y a le rhéma. Et qui te m'attire l'attention pour me dire que il y a un barrage qui fait que Edmi en goût, mais en pile, pour moi-même avec ou pas intéressé avec la parole, c'est parce que le connaît puissance qui gagne dans la parole. Le connaît qui autorité qui gagne dans la parole. Et le jour où moi-même avec ou décide bail importance à la parole de Dieu, donc la vie nous a changé, la vie nous a transformé. Et nous avons boule du feu devant Edmi. Le jour où moi-même avec vous décidez de bailler importance à la parole de Dieu, nous menons l'autre vie, existence, nous gagnons l'autre sens. Donc ce n'est pas un message, nous pas dans une assemblée, nous pas dans un culte pour nous prêcher un message sur la parole. Nous pas pour rentrer dans les détails. Mais cette vidéo, ça, objectif là, c'est encourager, c'est booster pour capable accorder une place spéciale, une première place à la parole de Dieu dans la vie ou dans l'existence. Si vous voulez réussir, si vous voulez faire succès dans ça entreprendre, commencez par accorder première place à la parole de Dieu dans tout petit détail dans la vie ou. Parce que texte là dit, c'est alors que tu auras du succès de tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Des fois, on va courir pour aller au travail, ou faire journée dans le travail. Mais pourtant, on n'a pas jamais songé pour te lire un texte, pour te lire un verset. Mais on va courir pour aller au travail. Mais en pile fois, travail n'a pas rapporté grand-chose.
Mais commencez par mettre bon Dieu première place. Commencez par mettre bon Dieu en priorité. Commencez par mettre bon Dieu en priorité. Et me garantir, vous pourrez commencer par des changements, de transformation qui pourraient commencer à opérer. Juste commencez par mettre bon Dieu en priorité. Donc pendant que vous pour le travail là, songez, mettez bon Dieu en priorité. Pendant que vous pour le business là, songez, mettez bon Dieu en priorité. Parce que vous ne pouvez pas faire succès sans bon Dieu. Donc en pile fois, on a couru des succès. On a couru des réussites. Mais on a couru des succès, on a couru des réussites sans bon Dieu. Sans bon Dieu. Une fois nous croyons que nous avons fait des efforts, c'est efforts que nous avons fait, qui fait que nous avons fait succès. Mais peut-être vous avez gardé un pile monde. Vous pensez que vous avez fait succès. C'est vous-même qui pensez que vous avez fait succès. Mais au fond, vous n'avez pas vraiment fait succès. Pas de succès sans bon Dieu. Et c'est ça qui fait nous encourager. Baille parole, bon Dieu, première place dans la vie. Et donc, nous remarquons que Edmi a créé un pile de distraction pour le monde là. Juste pour nous capables d'écarter nous de l'essentiel. Un pile de distraction pour nous capables juste passer à côté de l'essentiel. À côté de ce qui est important. À côté de ce qui est indispensable pour notre vie, pour notre réussite. M'encourageons, jeune garçon, qui a gardé là. Prends-tu temps pour la parole de Dieu. M'encourageons jeune fille qui a gardé là. Prends-tu temps pour la parole de Dieu. M'encourageons dame qui a gardé là. Et un monsieur qui a gardé là. Prends-tu temps pour la parole de Dieu. Ça vaut la peine d'essayer. Essayez prends-tu temps pour la parole de Dieu. Essayez prends-tu temps à mémoriser, à méditer sur lui, à ruminer. Et puis, ou à bonne nouvelle. Ou à dire qui j'en la vie ou. Qui j'en ouais. Qui j'en ouais existence ou. Pas dire qui j'en sais. À nous prier, bon Dieu. Seigneur, nous disons merci. Merci pour ta parole. Merci pour chaque monde qui t'a regardé vidéo ça. Merci pour chaque monde qui a partagé avec un autre. Seigneur, que parole nous capable de gagner autorité sur la vie, non. Que nous capables de mener vie, non, Seigneur, au regard de ta parole. Et comme ça, la vie nous capable de changer. La vie nous capable de transformer. Père, merci pour ce que vous motivez en cœur. Je dis à bail plus important sa parole. Au nom de Jésus. Amen.